Salut les jeunes, bon, on se retrouve pour la partie 2 du coup de l'ouverture des coffrets dresseurs d'élite, équipe bravoure, sagesse et intuition. Donc intuition c'était la partie 1, donc là on va se faire la partie 2, donc équipe bravoure. Pour vous faire un débrief du coup, ils nous ont filé donc la carte promo avec les packs. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on a eu avant dans le pack intuition. Du coup on a le petit Tortank radieux qui est sorti. On a également le Dracolos V et le Dracolos V-Star qui sont tombés dans le coffret précédent. Donc là, on va voir, on va espérer avoir toujours plus pour compléter du coup le petit classeur. Donc comme dans le coffret précédent, on a donc la carte promo, Candela, le petit Pins et donc les 6 boosters. Donc on va s'ouvrir tout ça. Comme tout à l'heure. Je vais espérer au moins avoir deux hits. Après, si on peut en avoir plus, bah, ça serait pas mal. Punaise, il est soudé là, celui-là. Alors, autant le premier, j'ai réussi à l'ouvrir correctement. Autant celui-là, il n'a pas l'air d'avoir envie d'y mettre du sien. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'elle a pour nous, la demoiselle Candela? Donc forcément, hop, la petite carte promo qui reste magnifique, comme je l'ai dit avant. Franchement, limite, j'ai acheté les coffrets que pour les cartes promo et les pins parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles sont très représentatives du jeu. Et donc le petit pins de l'équipe Bravoure, donc les rouges. Alors, c'est pas les meilleurs, hein, vu que les meilleurs, c'est les bleus. Donc, c'est pour ça que je finirai par le meilleur, ma team, la team bleue. La team sagesse. On écoute la voix du sage. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, niveau hit, c'est clairement l'équipe intuition qui remporte la mise. Parce que un radieux, une V star, franchement, c'est. Coolops, c'est mortel. Donc là, hop. Donc on se prend nos 6 petits boosters. Hop, le petit code promo. Et puis bah on va lancer tout ça. Hein. Donc pareil, on va espérer 2 hits. Puis on va voir si on arrive à faire plus. Alors déjà vu ce qui était tombé dans le TB. J'étais déjà assez chanceux. Après, on va voir si la chance continue et me suit avec ces coffrets-là. En tout cas, pour ce qui est du coffret intuition, il n'y a pas de problème, la chance m'a suivi. On va voir si maintenant bravoure, ça suit. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on a un aussi bon tirage? Donc, énergie feu. Capitaine d'équipe Spark. Carabaf. Pokéstop. Natu, Capidextre, Rattataque d'Alola, Ambrilex, Rattata d'Alola, Capumain en Rhyverse et Articodin en holo. Ok, c'est pas folichon, mais ok, il faut bien un début à tout, hein. Donc voilà, le premier booster, donc je crois que je les ai toutes. Hop, sont comme d'habitude, hein, je vous mettrai en commentaire dans la vidéo le total des nouvelles cartes. Sachant que je vous ai pas dit, mais avec l'appli PokéCardDex, du coup qu'on utilise quasiment tous en tant que collectionneur, ça ne me comptabilise pas les Rivers. Mais du coup, à chaque fois, j'en ai toujours un peu plus que ce que je note, parce que du coup, bah, les Rivers, elles ne sont pas comptabilisées. Donc, énergie V-Star, plutôt de bon augure en général. Donc Défaisant, Celeroc, Amphect, Capidextre, Ramolos, Castorno, Mimigal, en pâte à modeler, Polichombre, Poichigeon, capitaine d'équipe Spark en Rhyverse et Florizarre en holo. Ok, donc toujours rien de transcendant. Si je ne dis pas de bêtises, je les ai toutes, à part peut-être les Rhyverse, mais bon, ça il faudrait que je vérifie avec l'appli. Quand je ferai mon petit bilan de toutes ces nouvelles cartes.
Donc troisième booster. Troisième booster. Hop. Donc le petit code. Tac. 1, 2, 3, 4. Donc énergie combat. Je crois avoir vu quelque chose. Énergie combat. Celeroc. Mfect. Moduleur. Onyx. Salamèche. Kunotor. Sofkipou. Poichijon. Bulbizarre en Rivers. Et j'ai mal vu. Samouraï. Et Samouraï, je crois que ça y est, je l'ai aussi. Là. C'est qui que j'aimerais bien avoir? C'est la Tyrannosif qui me manque, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Capitaine d'équipe blanche aussi, là. Il me la manque. Je l'ai eu en Rivers dans le coffret. 1, 2, 3, je l'ai eu en Rivers dans le coffret d'avant, mais il me la manque en normal. Donc le petit code promo. Le Leufory, ça y est, il est tombé dans la vidéo d'avant. Hop, 1, 2, 3, 4, V-Star. Bon, j'avais dit de bon augure, mais bon, on n'avait rien eu. Donc on va voir si là, elle sera de meilleur augure. Capitaine d'équipe Candela, Flagados, Celeroc, Bulbizarre, Poichijon, Magikarp, Onyx, Evoli, le Vénard en Rivers et Melmetal en holo. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un gros doute, je sais plus, je sais plus. Donc je ne dis rien, je sais plus si je l'ai ou pas en holo. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai aucune en rare, des Meltal. Hop, allez, cinquième booster, toujours pas de hit. Donc celui-là aura peut-être été moins chanceux, après bon, rien n'est fini, il me reste encore deux boosters. Hein. Donc le petit code, hop, 1, 2, 3 et 4. Hop, et il y a quelque chose, c'est sûr, je vous le confirme. On va voir à la fin du coup. Énergie obscure, Solaroc, incubateur d'œuf, Reptincelle, Mimigal, Sofkipou, Chamallow, Bulbizarre, Onyx, Florizarre. Alors on va faire un truc, ça ne va pas vous plaire. Je la garde ici. J'ouvre le dernier booster. Et comme ça, si j'ai pas de hit dans celui-là, je finirai avec le dernier hit qu'il y a là. Donc, le petit code. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et puis, bah, s'il y a un hit aussi, bah, on fera les deux en même temps. Hein. Hop, donc énergie feu. Mfect. Le Vénard. Capitaine d'équipe Spark. Mimigal. Poichijon. Ratata d'Alola. Sofkipou. Pikachu. Il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose aussi. Oh là là. Donc du coup on a... Bon bah on va les faire dans l'ordre. Hein. Je vais reposer celui-là. Je vais reprendre celui-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a sous ce joli Florizarre ? Noix de coco d'Alola V. Eh ben, je ne l'ai pas. Donc, franchement, voilà, content. Encore un hit que j'ai pas. Et donc, celui-là, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, attends. Ah bah, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Ah bah non, il n'y avait pas. Autant pour moi, je sais pas. On aurait dit que la carte est brillée en dessous. Oh, flûte ! Bon, bah non, Dracaufeu, holo, du coup. Donc c'est pas grave, au moins du coup une nouvelle petite V donc, qui viendra compléter donc les classeurs. Donc je vous la montre de plus près avant de la mettre sous sleeve. Voilà. Donc la petite noix de coco V qui est tombée. Donc très bien, on est content hein, forcément. Donc on se revoit pour la partie 3 où on va ouvrir donc le coffret
de l'équipe Sagesse, en espérant qu'il me porte chance. Un blanche, t'as entendu? Tu me portes chance. Voilà, bon bah à tout de suite donc pour la partie 3.